Norira, maruru mai te no te whaarirai tēnei anirā, ia whātura tātou nā tātata upiti, o Benbela rāua o Brak. O te aro i tō rāua pae, no te tiamara o tō rāua whenua, te aro atu i te tiamara o te whenua whrāna. Maruru mai te. Tupiriti tēni o Maohi Noe, te mau whātere hau, te tia o te whare rau meire, te mau tāne, te mau heine, ia o rāna tātou i te wharere rai te ienei pūpū. Maruru mai te i te wharere amai te ienei titaura, ia nenhe tātou ia wharere. E te wahei tāu e maruru nei te pūpū, te wharere nei tātou, rute i te ienei whare aporarhei tātou, o te i whaapihia no te whanhor aia i tātou uhupa, ia nenhe tātou ia rave mā te au e te mai te. E i roto i te ienei whaapira i roe hia, i roto i te ienei wharaporarhei te hinaro nei au e wha amaruru ta e i te mau tamarina tatou. E rohoi nei, i roto i te ienei pūsea mā o tau i ki tau manihini i hare mei o nei. Tau e anine ia tatou e pupu mei te tatou i te emu tamarita tatou. Rātou te irawe te ienei, te ienei mau tapo o te hamanihia roto i te ienei whare o te whātiahia. Te ienei ano te whenua toa mutu o te tifei hia, te iei muri, te ienei tuha ano te whenua tuha pā o tātato i te rani i te mōpau, te ienei tap on o te whaano ti pērui o te riro i tap on o niamatai, te mō maiha ano ti pērui, te veinei te honu no borabora, tāwana borabora, whātura mātou i aoe, warawero me mātou i te honu no borabora, e te honu no Jacques Brion, raua tō piti toa, e warawai tō hea mai te mōiwi pō no te whenua e nāta te i tāp o hea tū i roto i te ienei whare. Te i te tōne o tū i te whaapirahia te ienei mōri i ane nhe tō o tō mata ia tai o mai te i tātātō tāpura huba. Ia ia whiwi i te ienei tāpura huba tātātō. Nori rā, te mō tamari no te CMA e te mō hoa tō i whaitu tō mai. Te mō tāta i tāta i mai te ienei whare. Maruru mai te ia rero tātou e meru oro teit whare aporarhei a nenhe tātou e rawei tātou o hupa. I roto atua i te area no te mau aua o te whare aporarhei, o i te oto i te teimo unu, tā rātou tō te rira tāpura hupa. E ara ua e whātia tō hia mai te teimo ti, te teiti i no te whenua mareva, te teiti i no te whenua rurutuma, te teiti i no te whenua enata, e tō te tuamutu, e hare tō tātou i rira, no te whaitera e te hurumau o te ienei whare aporarhei nā tātou. E te wahei papu, e te mohoa i te e matheiti piti tautini ahuru e mapiti, e whaatupu tātou e toru rurur arhei te roara o te e matheiti no te hiru atumu o te whenua maohe, no te mea i te e matheiti, e matheiti o te i whaatahia no te hiru atumu o tātou whenua, e ua mana o te whare aporarhei, e ratai atua i te ienei tāpura uhupa e rutu i te roara o te matheiti, e tatarahi atua atu i te mau uputa o te whare aporarhei, e anehenhe tā tātou motamari, e ahare mei, e ite atua i churumau o tā tātou ratai anu te pau tiro atupu. Wei te oto, tau tata te ahare mei rutu i te ienei whare aporarhei, rutu i te mau aua e mateitei, manone iau e trato te tei tāpura uhupa o tā tātou nenehe e rove mei te i roti te ienei whanhora. Hau atu i te mei te, o i te atua o tou e tātou i roti te ienei whare aporarhei o te whenua maohi, te praparau nei tātou nā roti te reo teiti. E whare i atua i a praparau mei tō tātou mō te e, te reo te whenua e nāta, te reo te whenua tuamutu, te reo te whenua tuapae, tō maarewa, tō rapa mei te pē te wei atua ara. Whaitutuhi atu i tiuri atu i te mōprau, nāro tu i te reo whrāni nori rā te i te tōne o tu i te mā awhatei ki hio o te whātahi e titi, e o te tuhi atu te tei motamari nā tātou o te heare i te hapi rā te tei, i te whare hapi rā te tei o tu maoro, te hapi i te reo teiti e i te mhana, o Orawa teie, o Felix e o Tere Muura, rātu o toru te amo nei, te ienei tāpura hupa i anehenhe, te mau tātou e orere papu i te reo teiti mei tō tātou mota e te mō papa e wea, tere wharo o mei re te parau. E hurihi atu te parau nā roto i te reo whrāne, ia riro te rira e i tauturur ai te tātai a maramara mō mai te e te mō parau, tātou e parau nei, no te mea, no te hatātou e parau e i te reo teiti i o tātou. No te mea whenua teiti teie, e whenua maohi teie, e parau tātou nā roto i te reo teiti. Iare tātou e roto i te aporarhei o te whenua whrāne, e parau rātou nā roto i te reo whrāne, e watano.
Yare ta turu tit apora reo tfinu tinto e pro pro ratu na rutu tiru tinto e watano. Watano ato ia ta tuite pro pro na rutu to ta tu reo i te fenua tete nei fenua ma oi nei. Nori ra orava Felix e o Terimura fai tu tu ta ta tu oiba. U fa ba ia ta tu no me ta fifir i turira. E ta te oiba e tupu no i choe mana. I te roar au te tau, i te tatu i te aforor au te ienei tapura hupa tatatu. Nuri rā, watea roa tō umanao. I te anir ai o tō e wafari i te aporarhe. I te whaturar ai te motata ma te whanho i te whanho rata e nā ratu, i e te muni awa e whatahira nā ratu. E wafari tatu i te whaatiti e wharo i tatatu tapura fofano te horo ar ai luki tō ratu rima i te te whaito mai te e, i ai tō ratu arawehi. Te wahei paputu a tau e te aturi nei, tata tō taua natirewa, e huriat ohia te e whaapihia nā mua, e huriat ohia tū te mauprau, nā roto i te reo teiti, e iaro ai a tātou i te rawe, nā roto ato i te reo pretane. Te reo wharaniho ai a tātou i te rei te imhana, whaihia rā i te reo teiti, e whaiat ohia rā i te reo pretane, no te mea tiroto ato a tātou i te te moana, o tate tātou ar auto monuna e paraparu nei, nā roto i te reo pretane. Te wahi papu te hinarut o nei tatou, e whaariro i te ienei whare apora hei na tatou, me tu e wahi hapir ai ta tatou mō tamari. E wei te pa atoa tatou i te mō matheiti atoa te whaatupu nei tatou, i te rurura a te mō tamari hare hapir anō te pia CM2, i hare me ratu i o nei e hapi, kiuru o te whaanhor a, o te arataira, o te whaotira e te mō praumana ta tatou e maiti nei, roto i te ienei whare apora hei, e te oaua nei au i te whaite e tui o tō e, o awarhei tō te mau orometua hapi, o awarhei tō mau atira ahupa, o awarhei tō te mau tamari, i hare atu tātou e wharerei rātou e parau i te parau, e riro rātou ananhei, e whea e tia mai, parhe mai, i roto i tēnei whare aporarhei, parhe mai i te apapara o te mau whaterera ahau rātou te tia mai ananhei, tōna ia tanor amau, ia rave i maru no tātou i te ahupa no te whanana tēr aia rātou i tēnei parau no tātou whare aporarhei. Te wahei toa o tā te manao e hina aro nei. Wei te o tō te mō hoa, me arhei te mō frau whau whaa e vei nei, e o tā nei roto i te mō pia, te whare apor arhei. Me arhei. Tīne ei te whai tō, hau atu i te piti hanere taua tīne tumu brau. E o tā tātou i whao ti e whanho i te te whanhor a, i ane henhe te i e nei mō tumu brau i e au puruhia. E te e te me nene heu e parau i o tō e, wa roa ia matui te whanahu mai i te teirata, na pōana a opa me papa i rima. Te vei nei te ienei rata, papa i rima, pōana a opa ratu i tō tātou rima, o te irawehia, o te whanohia, e o te ituhia, i roto i whanohora o te rorowira i te emhana. Piti hanere hau atu i te tauatini mō apiparau o ta matua hin arore whaitu i tui te rawe. Ho e huru toa, te mōmero o te aporarhei, te mou hapotor aprau o tātou mou papa e ne, ero te tipe ala nuvela ne, ero te tipe ala depesha ne, tere haputuhi ara ero te tira whare e vere i tiperui. Te mano e vei ne ero te matou i te haputur ai te tātou ara o te mou tumu prau i paraparahi anō tātou, mei te hamata rame o te aporar hei te mei te emhana, haputur a e one whahe i atu e atu i oto. Ianehen he tātou i ite, te reheir au te aamu o te mautia i tēmei o nei, o te iaratai i tō tātou whenua mei te tau e te tau tēmei te imhana. Nori rā, i taua waheira, te mana o nei matū e mea tano, ia whanohoia te ienei tāpura ahupa mā te eau. I te pau o te mauture, te mauhoa, tēmei te imhana miturure maiti tātou i te mauture, vehiua tu e tātou i te whaterera o te whenua, ia whaahupa i taua mauturera. Te mana o nei eau e ere pā me te rira roa te rawe rao te hupa ia tana. Tau mana o, maiti tātou i te ture, e hi opo ato ara tātou i tūru o te ora rao te ie mauture tātou e maiti. Te mau prau mana o tātou whātere rā e nene e rawe no te whāo hupa i tāua mauturera. Hare roa rotu i te ora rao te nuna. E me te pēu e ite tātou rotu i te ienei whanhor a, ai tatara ture tātou i maiti, tano maitei. I te mea e orahi are te nuna, whahau me o nei no te whaatite e wharoia. Te ora o tō mana, i hapa i tātou e maiti no te ture, i o te wehoa tuai,
Nā te teipu kut ata e whaahupa e ana e roto i te roara o te orara o te tātou. Tō umana hohunu tra, iarawe tātou i tāua tāpura hupara, e i ahi opo atu o tātou i te huru o te iene whaanhora. I hara mei tō umana o i roto i te whaahupa tāno tā tātou e rawe ni roto i te wharapora arhei, te ma te iti piti tautini a huru e maho e, wei te o tō, I te whanhor a tātou i ngā piat OPT o John Fence te arike o Sonia Aniere Tuno, wa huru ohier i te haputuputur a i te maururur a te maumero a borarhe. E wa i te hia roto i te reira o te maumuprau tā tātou maiti, tini ei te whaito hanere pe ahuru e ma toru praumana o tā tātou maiti i roto i tā tātou a borarhe i te matahitipiti tautiri ahuru e mahoe. Ia whaauhia i te matahitipiti tautiri ahuru, ua hau atu ia i te toru ohuru i te hanere. Te ora ia, ua roa ia tātou i te whanho, i te whanho ramaitei, ua putuputu te mōtou mi te roto, i ni eitua e whaitou hitu ahuru e mahitu tene rato i te putuputu rā, e ua maiti te rahira o te mōture o ta i whahiti anei i te numero. No rira, te mana one iau e ieriro, te rira e rawea no te whaiti rai te hupa, o tātou whare aporarhe e rawe nei, o tātou mōmero aporarhe e rawe nei, i te mōmaha nā tō. Nō te mea, tā te tātai e i tēra, ia mā te i tēra tō i te awhatarati o te ata, te eno mōrurura tā tātou. Aitara te tātai i tēra, te reheira o te mōrurura e tupura rati te mōtomi te roto, e i te e mōtomi te rapai o tā tātou e tia nei. Nō rira mea tano, i hapapuhi a te e prou. Te teitu o tōmi te tā e tā tātou. Te e a tōmi te o te imerihi a te o te CCBF. Te ie putuputu nei te mō hepeto mātua. Ona te tomi te putuputu reirua ane. Ti tauhia, ia au te ture, ia whai te mei oia i tōna mana. In ei te mō opuara at whātere rāt whenua, en en hea ue paroi o tō, i roto i te reheira o te rurura o te ienei tomi te CCBF, ua hi opua oia e ua whai te oia i tōna mana, ni ei te whaito, e onu hanere hoe ahuru e mahitu opuara. E onu hanere hoe ahuru e mahitu opuara. E inei te ienei, e onu hanere hoe ahuru e mahitu opuara, ua whaitohia te whaito muni o tā te ienei CCPF i hi opua e whaiti tōna mana o, inei te whaito hoe ahuru e matoru pene vau miria te muni o te whenua o tō tātou whenua. Piriroa i te ahuru mamaha miria, te mata o te ienei CCPF i te hi opua rā, i te whaiti rai tōna mana o inei tāua tumupra. Nō rira, mana o nei au e, e hupa fofa te ie i rawehia te ienei te iete, te ienei tōmite tā tātou, e mea tano atoa i anenhe tātou, i a hapopo i te ienei mōmero te irawe mei te ita rātou o hupa. Te teiva hei, te teiva hei o tā ue hinaro rei parau, tā tātou ie mō tōmite rāpai. Te ie hoe hanere e maha ahuru tōmite rāpai. E rote i te ienei mou hanere e maha ahuru tōmi te rapa, wa whaatea oi te teirata i te mou preti tini ato e arata i nei te e mou tōmi te no te ania rato e meiti matheiti piti tau tini e vau. Tā meiti matheiti, e ha tūru tūruru au te e mou tōmi te. Ia pai tātou e maiti no te mou tātā rato i te mou tōmi te, e aita te e mou tōmi te putuputu nei. Aurera, aita te tātā e tēnei rato i tau o mou rūru rāra. E te e mhana, inei nā tōmi te hanere maha ahuru, o tā tātou e maiti te mō tātai hare i roto, e maha ahuru mā toru tōmi te o te putuputu. Te aura aia piri te hoe hanere o tō mō tōmi te, ai te ha putuputu hia, ai te iruru. Ta ime tano ia tara no te whiruri, no te ha, e mei te pēu e tōmi te whawhaore, te ime tano nā tātou i te whaore, ai tau o mō tōmi te. Te hoho ai hape, ei tō tātou po e maiti te mō tātai rati tōmi te, mei te pēu ai te te mō tōmi te putuputu nei. Maha ahuru mā toru o te iputuputu, in e tānere maha ahuru. Nō rira te aturi au e whaitu i tōtua tātou i reira. Whaitu i tōtua tōra tātou i tātou, ia titau hia tātou i hare rato i te morurura, ia tāe. Ia tāe rato i tāua morurura ara. E mei te pēu e ai te e hare, titau mai ai te mono. Ia pa eito tātou reo ia ere. Ia te tari au te whare apora ara hei ia ere rato i tāua morurura ara. Whaitui tūnei au ia tātou, ia narira tātou i te rau. E te teiman o hopea o tāo i hinarora e whaiti atu i otou, wa hinaro atu atu mou meru aporarhei, e wheruri te parau,
te ye to api o ta ue far ine o te fahiti hia to ta to fatreha o Jacques Brion te hotu atau te ni ata tui te rira tumu pura i te ye nei teme e nawhe i te whanho i te upuru ai ai te ye nei harutei marewa to ta to i te whanhor ai ai te tei whanhor a no te tei tapura o ta ta tui nene e mo amui no te prau no te hotu atau e ui te oto warawahi a te rea tapura hupa e te itehi ara i te mhana te tei mō api. Ai tata te whirurira e mau oi oi me iahi o tātou i te mō mori api. I ni anō i te pēo te wira, o whātopahi a tātou prau pa erai ni e te whaitohi te ohuru ni e te hanere. I ni anō i te tauira o tau anei mō mori tātou. Po e nō trahi ora, i tue a papā tu te reira o te mō opuara, o i te rawa o e te turu papu me te ene o tō iau i ni tau a tāpura hupara, e ni hane tātou, e hare tō e wahi me te e te te o man o tau hinaro re hapapu me te e tato. Wa hinaro tō a mato ro te whaate re rao te aporare he. Ia whaanho a pihia tu prau no te patar a hoho o ro te ta tato whare aporare he. E wa whaari me te pia hupa e rawe nei pihoi au, ia rohi a te ene wha a pira, e i te ia o tui te roara o te tau, te hamai te e rao te ene hupa, i roto ho arai tu prau no te taua na tirewa, ia nehne te tata ia mate i te eme ia tatu, ia wharo me te eme tu tatu mō prau, ia apu me te eme tu mō prau o tatu hina aro re parapara. Nō rira, te mō hoa, te ia te tei mō prau i poto a pinua o ta ue nene e whahiti a tui tatu, nō ni e te ia nei matheti o tatu i ratere mei, o i te pato a tatu e te tue nei, e iwa au e, hou tatu e wha a piei, i te mō tiara o te mō mero tui tware apora hei, Ta tātou ture roto, e tu mei o tui tātou niu niu a whai pēri ni a rūrūra. Ia ia tai, he? Tō reira e tōwha, a tu mei ni a rūrūra ia hei amani nia, ia parapare wa tu tātou ero tui te ienei whare aporara he tātou. Tarari i te mōmana o matamua nā roto i te reo teiti i pereti tini, e i te mea whenua whrani tātou, e nā roto tō atuwa i te reo a Molière, e nā roto tō atuwa i te reo a Fran. Monsieur le Président de Maorinui, Monsieur le Président, le représentant du Conseil économique, social et culturel, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Sénateur de la Polynésie française, qui doit mettre son vini sur vibreur pour ne pas troubler les discours à l'Assemblée, chers auditeurs et téléspectateurs, Yorana, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du peuple. Ne criez pas, vous êtes sourds. Te whare o te nuna, vous êtes ici chez vous. Mes chers collègues, le discours d'ouverture de la session administrative que je l'ai plaisir de prononcer devant vous en ce lieu revêt à mes yeux une importance toute particulière. Elle tient en partie aux sculptures qui ornent désormais les murs de notre hémicycle rénové. En mettant en exergue un motif, un détail de la culture, des traditions et techniques propres à chacun des cinq archipels, ces ouvrages sculptés rendent hommage à l'ingéniosité, au sens artistique des Polynésiens et à l'importance du travail manuel dans notre société. Et je ne vous citerai que le titre du poème de mon ami Henri Hiro, Ohoe Toe Rima. Je voudrais à ce propos vous demander de remercier et d'applaudir nos amis du CMA qui ont réalisé toutes ces œuvres et qui sont derrière nous. De cela, mes chers collègues et auditeurs, nous devons être fiers. C'est une source de richesse pour notre Fénois. Nous ne serons pas en reste en 2012, puisque les jardins de l'Assemblée accueilleront, outre le masque de Tutepanganui des Tuamotu, situé à l'entrée principale du hall Le Boucher, une statue du dieu Rao des îles Gambier, chère à notre sénateur. Mes chers collègues représentants des Australes, une reproduction du dieu Aa de Rurutu aura également vocation dans les prochaines semaines à être installée dans nos jardins. Un poteau de maison sculptée des Marquises, ainsi que des tis des îles de la Société viendront compléter ces éléments représentatifs de la statuaire polynésienne. Je tiens donc à remercier les élèves du Centre des métiers d'art et l'ensemble des entreprises qui ont participé à la confection de ces ouvrages. La promotion de la culture de notre Fénois et du rôle de l'Assemblée est importante pour l'événement. L'année 2012 sera pour notre institution l'année des arts et du patrimoine.
L'Assemblée organisera au cours de l'année 2012 trois expositions thématiques mettant en exergue les arts premiers océaniens, l'art contemporain polynésien et le patrimoine des cinq archipels de notre Fénoua. L'Assemblée organisera dans le courant de l'année 2012 quatre journées portes ouvertes destinées à promouvoir la découverte de l'histoire, du patrimoine culturel, naturel et légendaire de notre institution auprès du grand public. Elles concerneront les journées de l'Europe, les journées du patrimoine, la journée mondiale du tourisme et la journée internationale des personnes âgées qui se tiendront respectivement les 9 mai, 15 septembre, 27 septembre et 1er octobre 2012 à l'Assemblée. Outre sa portée pédagogique, cette promotion de notre culture et de notre institution par l'événement aura vocation à attirer davantage de visiteurs, qu'il s'agisse de jeunes scolaires, de touristes et de citoyens polynésiens. Notre institution devra ainsi tripler, en partant à 3 000 le nombre de visiteurs accueillis en année pleine en 2012-2013. Nous apporterons une attention toute particulière au contenu des visites, puisque des dépliants informatifs relatant l'histoire et les missions de l'institution seront édités et distribués. Quatre agents en interne seront également formés à la médiation culturelle. Mes chers collègues, vous connaissez également mon attachement profond à la promotion des langues, en particulier polynésiennes. La maîtrise de la langue est un gage d'enracinement, mais également d'ouverture sur le monde. Je vous invite, mes chers collègues, à porter votre regard sur le box de traduction situé à ma droite. Le système de traduction simultanée des débats en langue polynésienne est désormais une réalité. Je tiens à cette occasion à encourager nos traducteurs-correcteurs qui ont été recrutés pour assurer à l'intérieur de notre hémicycle et en direct cette délicate mais toutefois passionnante mission. Orava, Félix, Terimura, Afaïtuto, Maïtaïtatato, Ohupa. Merci beaucoup à vous deux, à vous trois. Dans le droit fil de la stratégie de la valorisation des compétences de nos jeunes Polynésiens, j'ai le plaisir de vous informer que l'Assemblée de Polynésie ouvrira dans le courant de l'année 2012 un concours de recrutement de deux agents de catégorie A au poste de correcteur-traducteur en langue polynésienne. L'intégralité du site Internet de l'Assemblée sera également traduite en langue tahitienne fin 2012, à l'instar du site Internet du Parlement de la Nouvelle-Zélande disponible en langue anglaise et en maori. Je souhaite également associer à cette démarche M. Jean-Marius Rapoto, président de la Commission de l'éducation et de l'enseignement. La langue anglaise, qu'il faut-il le rappeler, est la langue officielle de près de 70 États dans le monde et compte près de 1,4 milliard de locuteurs, n'est pas en reste. Ainsi, l'intégralité du contenu du site Internet de l'Assemblée sera également traduite en langue anglaise avant la fin de l'année 2012. L'année 2012 sera également pour notre Assemblée l'année de la jeunesse. Sans expérience professionnelle, pas d'emploi. C'est le constat parfois désabusé que formulent de nombreux étudiants en quête de stage, si ce n'est d'un emploi. J'ai donc souhaité promouvoir, dans le cadre de la stratégie jeunesse de notre institution, qui vous sera présentée dans le courant de l'année 2012, les stages à l'Assemblée de Polynésie. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'Assemblée signera avec l'Université de Polynésie française, dans les prochains jours, une convention de partenariat relative à l'accueil des étudiants stagiaires dans nos services administratifs. Nous souhaitons valoriser les juristes, les historiens, les politologues, mais également les jeunes Polynésiens en formation, en horticulture, en menuiserie, en plomberie, en électricité. L'année 2012 sera également l'année de l'apprentissage et de la promotion du sens civique et de la citoyenneté. Outre l'Assemblée des représentants juniors et la tournée du président qui concernait les élèves de classe de CM2, l'Assemblée organisera en 2012 le tournoi des jeunes à destination des élèves de 3e et de 4e des collèges. Il s'agira de tester dans le cadre des compétitions entre collèges les connaissances de nos élèves de Tahitian Orea en matière d'éducation civique, d'histoire et de démocratie.
Par ailleurs, la nouvelle version du site Internet de l'Assemblée qui vous sera présentée dans les prochains jours, intégrera pour la première fois une rubrique mission éducative à destination des jeunes et de leurs enseignants. Outre le kit pédagogique d'ores et déjà disponible en téléchargement, la rubrique sera également enrichie dans le courant de l'année 2012 par des jeux interactifs à destination des jeunes et des mallettes pédagogiques à destination des enseignants du primaire et du secondaire. Je ne manquerai pas d'associer le ministère de l'Éducation, la direction des enseignements secondaires et le président de la commission de l'Éducation et de la Recherche à ces travaux. L'année 2011 a été marquée à l'Assemblée par l'archivage et la numérisation du patrimoine documentaire de l'institution. Il concerne l'intégralité de la correspondance transmise au secrétariat général, soit près de 221 000 documents. 221 000 documents exhumés à ce jour. 17 000 documents ont d'ores et déjà été numérisés et scannés, dont une lettre manuscrite de feu Poana à Europa. Ce devoir de mémoire concerne également la numérisation et l'archivage des articles de presse des Nouvelles de Tahiti depuis 1957 et de la Dépêche de Tahiti depuis 1964, effectués par les agents administratifs dans les locaux des archives territoriales. Ce travail d'identification des articles relatifs à l'histoire politique et institutionnelle de notre Fénois est colossal puisqu'il concerne 29 680 numéros. 29 680 numéros. Le service de la communication et de l'informatique seront également mobilisés afin de procéder au séquençage de l'ensemble du patrimoine audiovisuel de l'Assemblée. La tâche est immense, mais participe également au devoir de mémoire pour toute institution. Je tiens à cet égard à encourager les agents du service des affaires juridiques, de la communication et du secrétariat général en charge de ces missions. Je poursuivrai mon propos en reprenant le vieil adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mes chers collègues, connaître la loi, c'est d'abord la comprendre. Force est de constater que nos concitoyens sont confrontés à une réelle absence de sécurité juridique, imputable en grande partie à l'inflation législative et normative et à la complexité croissante de notre arsenal juridique. Je tiens à vous rappeler que près de 8000 délibérations ont été adoptées par l'Assemblée depuis 1946, soit autant que le nombre de lois françaises adoptées par le Parlement. 8000. Il s'agira pour l'Assemblée de rendre la loi plus accessible et plus intelligible. Le service des affaires juridiques aura pour objectif de numériser et de rendre accessible sur le site Internet de l'Assemblée les 622 délibérations votées entre 1946 et 1962. Celles de 63 à nos jours étant d'ores et déjà disponibles. Dans la même veine, les 6583 rapports concernant les années 46 à 89 sur les 8102 recensés devront également être mis en ligne avant la fin du mois d'avril 2013. Je tiens à remercier et à encourager les 14 agents administratifs à pied d'œuvre chaque jour pour effectuer cet immense travail de numérisation et de référencement nécessaire à la bonne information de nos concitoyens. S'agissant de la vulgarisation de la loi, chaque texte de loi aura désormais vocation à être résumé dans un langage simple et intelligible par le service des affaires juridiques et de la communication. Cette démarche de pédagogie devra également s'appliquer à rebours à l'ensemble des textes votés depuis la création de l'institution. Le secrétaire général, le chef du service des affaires juridiques et des commissions auront vocation, dans le courant de l'année 2012, à animer 3 conférences-débats à l'Assemblée concernant le statut de la Polynésie française, la procédure parlementaire et le règlement intérieur de l'Assemblée. Le pouvoir délibératif de l'Assemblée s'exerce principalement dans le cadre des commissions législatives et, en fin de compte, en séance plénière. Mesdames et messieurs, chers collègues, les statistiques des travaux en commission et en séance plénière sont édifiantes. En 2011,
notre institution a voté en séance plénière 153 textes en augmentation de 30% par rapport à 2010. Les représentants se sont ainsi réunis à l'occasion de 31 séances contre 25 en 2010, ce qui représente 342 heures de débat. Les neuf commissions législatives, quant à elles, totalisent en 2011 77 réunions contre 62 en 2010 et 157 textes votés contre 130 en 2010. Je dois d'ailleurs rappeler que la dernière modification du règlement intérieur, en figeant la composition des commissions sur la durée de la mandature, constitue une avancée majeure. Elle permettra d'assurer stabilité, continuité et visibilité au travail délibératif des représentants. J'invite à cet effet l'ensemble des représentants et des téléspectateurs à consulter sur notre site Internet le rapport d'activité de l'Assemblée de la Polynésie pour l'année 2011. Ce document inédit retrace, chiffres à l'appui, l'activité de notre institution. Il participe à l'exigence de transparence et de valorisation du travail des représentants et des agents administratifs de l'Assemblée. Le pouvoir de contrôle des représentants s'exerce principalement au sein de la CCBF, la Commission de contrôle budgétaire et financier, qui a tenu en 2011 43 réunions contre 34 en 2010, et à l'occasion desquelles 617 projets de décision qui représentent 13,8 milliards de francs pacifiques ont été étudiés. Le pouvoir de contrôle s'exerce donc également au travers des 140 commissions et organismes extérieurs, conseils d'administration des SEM et des EPIC, dans lesquels siègent nos représentants. J'ai à cet effet demandé au service des commissions de l'Assemblée de centraliser l'ensemble des convocations et des dossiers adressés aux représentants amenés à siéger dans les commissions et organismes extérieurs. Un toilettage de ces commissions extérieures dans lesquelles siègent les représentants s'avère plus que nécessaire. Écoutez, plutôt en 2011, sur les 140 commissions et organismes extérieurs recensés, seules 43 commissions se sont effectivement réunies. Sur les 140 recensés, 43 se sont réunies. Nous gagnerons ainsi en cohérence, en visibilité et en continuité de notre mission de contrôle. Je serai également un président vigilant concernant l'absentéisme de nos élus. En 2011, le taux global d'absentéisme s'est élevé à 40%. Le taux s'est élevé à 40% pour les absentéistes. C'est énorme. Vous voulez des noms? La loi informatique et liberté m'interdit de vous donner des noms. Le renforcement du pouvoir de contrôle des élus passe également par le contrôle et l'application de la loi. Les services de l'Assemblée, en synergie avec les commissions législatives et le secrétariat général, auront désormais vocation à vérifier la bonne application de la loi en conformité avec la volonté du législateur. Ils porteront une attention toute particulière au vote en Conseil des ministres des arrêtés d'application. Enfin, j'ai souhaité pour cette année 2012 que notre institution soit au diapason des grands défis de ce monde. Il concerne d'une part la problématique de la préservation de notre environnement et d'autre part l'essor sans précédent des technologies de l'information et de la communication. J'ai le plaisir de vous annoncer, conformément à mes engagements, que l'Assemblée est désormais la première institution de notre Fénois à s'être dotée d'un plan de développement durable. Il contient, et j'invite chacun d'entre vous à le consulter sur notre site Internet, des mesures concrètes de réduction de notre consommation d'énergie, d'eau, de consommables, ainsi que des propositions d'amélioration des conditions de travail au sein de notre institution. Je tiens à remercier tout particulièrement le personnel administratif et le président de la Commission de l'aménagement de l'Assemblée qui ont participé activement à l'élaboration de ce document de synthèse. J'ai la conviction que ce document saura inspirer d'autres institutions et opérateurs publics comme privés. Je m'engage par ailleurs à tout mettre en œuvre pour que ces objectifs de réduction de notre consommation d'électricité et d'eau de 20% soient atteints en 2 ans.
Le quota de fourniture des représentants a dans la même veine été réduit de 50% depuis le début de l'année 2012. Nous partageons ceci de commun avec les citoyens des pays occidentaux de vivre dans une civilisation largement dominée par les écrans et la circulation quasi instantanée des images et de l'information. J'ai souhaité, avec l'ensemble des membres du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, que notre institution soit désormais dotée d'un système de vidéocaptation, de diffusion des débats modernes, offrant un son et des images de haute qualité. Il permettra en toute transparence à chacun de nos concitoyens de suivre, par le truchement d'Internet et de nos chaînes de télévision, les débats au sein de notre hémicycle. Je tiens à remercier à cet égard les représentants des chaînes de télévision Tahiti Nui Télévision et Polynésie Première, avec lesquels je signerai dans les prochains jours des conventions formalisant ce partenariat. Dans la même veine, la dernière version du site Internet de l'Assemblée sera en ligne avant la fin du mois d'avril 2012. Elle intégrera la nouvelle charte graphique de notre institution, une visite virtuelle des points d'intérêt touristique en trois dimensions. Tels sont les éléments du bilan et les projets que notre institution portera en 2012, chers amis. Je vais désormais laisser la parole au président de Mauhinui. Monsieur le Président, notre président aurait-il disparu? Ah, soyez indulgents, soyez indulgents. Un président est avant tout un homme. S'il vous plaît. Donc, que vive le peuple Maori, que vive Maori Nui. Yorana.